Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petit retour caméra. Oh la vache, la tête que j'ai. Normalement, cette réaction live n'était pas prévue. Pourquoi? Parce que je reviens de la Hashtag Festival, une convention qui était à Bourg-en-Bresse. Franchement, génial. Encore merci à tous les nakamas qui sont venus me voir. Je suis rentré ce matin aux alentours de 4-5 heures. J'en ai eu pour 10 heures de route et j'étais tout seul. C'était très, très, très dur. Tout ça pour dire que je vous avais envoyé un message pour vous dire que je ne faisais pas de réaction live ce matin. Sauf que ce matin, bah voilà, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu les messages que vous m'avez laissés aussi sur Facebook. Me dit, oh non, le doc, fais-nous une réaction live. On n'a pas eu la dernière fois. Donc, voilà. Je vous fais la réaction live. Alors, je ne sais pas dans quel état, comment ça va être. Je n'ai plus de voix parce que j'ai attrapé une angine là-bas. Bref, Francisca Samy, j'en ai à la foutre. On y va. Let's go. Chapitre 1029. La tour. La tour. Je ne sais pas pourquoi. La première de page, c'est une demande de. À de. À. Arinco, eh, je vais avoir du mal, je vais avoir du mal. Vignette sur demande, concours du plus gros mangeur de nouilles entre Bonnie et les loutres de mer. Je sais pas si les loutres de mer, justement, ils ont un gros appétit. C'est un truc qu'il faudra faire une petite recherche. Pourquoi pas pour la critique analyse de demain. On perd pas de temps. 3, 2, 1. Ah oui, au fait, on lit ça sur Manga Plus et aussi Glénat, Max, quelque chose comme ça. De toute façon, les liens sont directement dans la description. On va pas y arriver. On va pas y... Comment on fait? Comment on fait? Ouais, j'ai trouvé! Oui, très juste! Très juste! On suit le combat de Sanji contre Queen. Le sabre du seigneur Queen s'est brisé. Il s'est pourtant abattu sur la nuque de son adversaire. Non, ce type possède le fluide offensif. Même dans ce cas, ce serait impossible. Non, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, mais plutôt de ce que disait Jaji autrefois. Alors, normalement, est-ce que son arme, elle est faite d'un truc spécial pour qu'il soit impossible qu'elle se casse? Parce que normalement, avec le haki, normalement, tu peux quand même parer une âme et une arme. Et si cette arme-là n'est pas recouverte de haki, je me rappelle plus dans le précédent chapitre, normalement, voilà, faut que ça soit du haki contre haki. Là, il n'y a pas de haki, donc normalement, l'arme n'aurait pas de... Enfin bref, je ferai la recherche pour demain. Il voulait doter les humains de véritables exosquelettes, des capacités régénératrices extraordinaires, une force colossale et d'un cœur de glace parfaitement insensible. Senji, il a tout sauf le cœur de glace et justement, c'est ça qui fait sa plus grande force. Sapristi, tu as réussi à briser son katana avec ton coup. Je suis épaté, mon petit Senji. Non, je ne veux pas devenir comme ces monstres dépourvus d'émotion. Mais n'aie pas peur, putain, Senji, tu as de l'émotion. Ouah, attendez un peu. Ouah, qu'est-ce qui arrive à mon corps? Je dois essayer de me rappeler comment j'ai pu provoquer ça. Laisse-moi le temps de réfléchir, je suis condamné. Ça va, Sanji? T'inquiète pas. Une perte de mon humanité. Donc là, il est en train vraiment de se remettre en question. Un membre de l'équipage des chapeaux de paille. Oh, attends, c'est qui, eux? On dirait qu'il marmonne tout seul. Profitons-en pour l'abattre. Il s'agit de Sanji. Son sort est scellé. Et là, il se fait tirer. Alors, ils lui ont tiré dessus, mais le truc est dingue. C'est qu'il a même pas utilisé son haki de l'observation, alors qu'on sait qu'on l'a vu au niveau de Wallcake, qu'il n'avait pas... Je suis en train de faire une critique analyse en même temps. On avait vu qu'il arrive. Il est là, c'est sûrement peut-être pour montrer combien il est préoccupé par ce qui lui arrive. Il peut même pas anticiper qu'il se fasse tirer dessus. Wouahahaha! Allez, mets ta tenue de combat. Montre-moi le pouvoir de la science du Girma. On est reparti maintenant sur Big Mom. Au deuxième étage du château. Oh, que se passe-t-il? Eh bien, que t'arrive-t-il? T'as de la migraine, kid. Terra, Napoléon, vous êtes prêts? Eustace! Oui, maman! Qu'est-ce que tu fabriques? Rends-toi utile, nom d'un chien, bon sang. Oui, c'est par rapport à justement ce qui est en train de se passer avec avec Hawkins. Ah, génial. Le counter-shock de comment s'appelle, de l'eau, elle est superbe. Par contre, trop petit. J'aurais bien vu ça vraiment dans une superbe double page. Tu vas regretter de t'être pris à Mama. Waouh! Tolen Fever. Ma-ma-ma-ma! Marmelade raide! Putain, la... Oh, sa mère... Un mal de tête? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive depuis le temps que je voulais affronter des empereurs? Quelle aurait été ma vie de pirate si je meurs maintenant?
Tu me fais rire, kid. Si ça se trouve, tu n'as même pas besoin de moi pour crever, bordel. Et au troisième étage, c'est peut-être pour ça la tour justement reprend, le chapitre va suivre justement l'architecture de la tour. Au troisième étage du château Killer versus Hawking, ça suffit. Et là, tu as Hawking, cet enfoiré, qui est en train de se claquer la tête contre les piliers. Ah, super. Et là, on voit quand même qu'il y a... Alors, justement, Killer ne doit pas pouvoir combattre Hawking parce qu'il veut pas faire mal à son capitaine. Donc l'autre, il est en train de créer lui-même les blessures. T'en as assez fait. Alors comme ça, tu as mangé un smile. Comme je te plains, pauvre Killer. Faf. Et là, ah oui, il est en train de rigoler. Ah là 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 là. S'il te plaît, arrête. Punaise, c'est génial. C'est génial. Et il y a le casque. Punaise, pour la première fois, on voit le casque. De Killer qui s'est fissuré. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on intervienne, monsieur Killer? C'est fou ce mec. Qu'est-ce qui lui prend de se taper la tête contre le pilier? Fa 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 fa, bouclez-la et faites ce que je vous dis. Mais pourquoi vous ne l'attaquez pas? On ne peut plus rester les bras croisés, surtout que le feu approche. Partons d'ici au plus vite. Libère Kid. Je suis prêt à t'offrir ma vie en échange. Sa mère. Mister Killer, il paraît que Kid affronte Big Mom. J'ignore s'il va réaliser son rêve de vaincre un empereur, mais son ambition mérite le respect. Alors son rêve, c'est seulement de... C'est même pas de prendre la place d'un empereur, c'est seulement de combattre un empereur. Dans ce cas, cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Tue-moi donc avec tes faucilles si tu trouves que je gêne. Tu ferais mieux de te rendre, va. Je persuaderai Kaido de te laisser la vie sauve. De toute façon, vous n'avez aucune chance de remporter cette bataille. Vous avez bien vu ce qu'il s'est passé, non? De par votre instinct, vous avez forcément ressenti la raison pour laquelle ces deux-là règnent sur cet océan depuis des lustres. Il vous est impossible de les vaincre. Ça va, pas la peine de t'énerver. Je sais que tu regrettes le choix que tu as fait ce fameux jour. Ah, c'est le choix de s'allier à Kaido. Ce futur dans lequel tu craignais tant de mourir, tu te rends compte que nous le vivons en ce moment même. Si vous voulez passer sous mes ordres, ce sera avec un très grand plaisir. Nous allons bientôt voir qui a eu raison. Très bien. Puisque tu me sembles éprouver aucun respect, je vais tâcher de ne plus en avoir aucun non plus. Ça va se jouer à quitte ou double. Mais avant cela, j'ai deux questions à te poser. Tout d'abord, que se passerait-il si tu venais à recevoir des dégâts qui n'ont nulle part où aller? What? What? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pourtant comment fonctionnent les pouvoirs. Chaque blessure que tu m'infliges se répercute aussitôt sur Kid aussi longtemps que cette poupée de paille est dans mon corps. Tout du moins, il va falloir enlever la poupée et ça va être une bouche. Aïe! Pas! Oui! Excellent! Excellent! Il a perdu un bras? Non, oh, génial! Il a coupé le bras de Hawking. Quoi? Seigneur Hawking? Ouah! Comment t'as fait pour me couper le bras? Tous les dégâts que je reçois, Kid n'a déjà pas... n'a pas de bras gauche. Excellent. Et maintenant, ma deuxième question. Si je te prive de cette poupée, combien de vies te protège encore? Je te félicite. Celle-ci et celle... Ah, je suis fatigué. Je te félicite. Celle-ci était la dernière. Carte, poupée de paille, la mort. Alors là, franchement, Hawking, t'as fait de la merde. Tu le sais pourtant que l'autre, il lui manque un bras. Carte d'annihilation. Il ne me reste plus qu'à t'éliminer. Ton trépas n'a que trop tardé. Oh, sa mère! Sa mère! Sa mère, griffe de la décapitation! Décapitation! Waouh! Waouh, 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 waouh! La poupée de paille. Mes poupées de paille ne meurent jamais. Elles obéissent aux cartes et ressuscitent. Montre-moi l'issue de ce combat. La tour. Et là, il est en train de voir quelque chose et c'est mauvais pour lui. Waouh! Waouh! L'âme sonique, superbe! 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 Ce saut de l'ange, ce saut de l'ange est fantastique. Vous avez réussi, Mister Killer. La carte poupée de paille de la tour a pour signification l'effondrement de l'ancien et
pour sans se cacher un nouveau chemin. Alors c'est en fonction des cartes, en fonction de comment tu la tiens à l'endroit ou à l'envers. Les cartes ont une autre signification. Qu'est-ce qui se passe, Kid ? Si tu trouves, je te trouve ragaillardi tout d'un coup. À toi de jouer, camarade. C'est fantastique, superbe, Ah là 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 là, mais c'est fini, superbe. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réaction live. Voilà, désolé, voilà, ça a été comme ça. J'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les entendre de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut, mes camarades.